bande de salopes. Bienvenue dans un nouveau tuto snowboard de Tonton Francky. Aujourd'hui, on va apprendre comment réparer une planche. Ça arrive à tout le monde d'accrocher un petit caillou et pourtant le lendemain, quand on a vraiment envie d'aller rider, sans pouvoir passer au shop pendant 24 heures et laisser notre board. Donc, on va apprendre comment on répare basiquement une planche. Donc déjà, souvent, quand vous avez accroché, il y a plutôt des trucs qui ressortent de la planche. Donc ça, c'est le premier truc avec un truc en métal ou un cutter. Vous pouvez retirer tout ce qui dépasse de la planche. Il vaut mieux avoir un trou dans sa semelle qu'un aileron. Un aileron, ça freine et c'est vraiment désagréable pour la glisse. Donc il vaut mieux un trou, en fait. Voilà, sur cette petite amplide Dada, malheureusement, j'ai pris un petit fil barbelé, donc c'est vraiment pas grand chose, mais comme ça, j'enlève les trucs. Donc ça, c'était vraiment un entretien de base. Voilà, je vais vous montrer que malheureusement, sur ma Burton Deep Sinker, j'ai fait un trou beaucoup plus gros, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai bien accroché. Donc là, on va passer carrément aux armes lourdes. Donc, il existe du Pétex, donc soit noir, soit blanc. Moi j'aime bien le noir, je sais, parce qu'on voit bien comment on travaille. Là je vais peut-être quand même essayer de... Non, parce qu'en fait il brûle à chaque fois et il se retrouve noir, même le blanc. Donc soit vous pouvez l'utiliser avec un pistolet, mais comme tout le monde n'a pas de pistolet, au briquet ça marche très bien. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et comment on fait. Donc vos armes Pétex et toujours cette bonne lame en ferraille qui va permettre de, une fois qu'on a chauffé, bien appuyer pour imprégner la matière dans la matière. Vous pouvez le faire aussi au cutter, c'est pratique derrière pour couper, mais ça marche très très bien, ainsi qu'un couteau qui est très bien aiguisé. Vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main, parce qu'on n'a pas toujours tout ce dont on a besoin. Donc ce qu'on a besoin de faire d'abord, c'est de chauffer cette matière. Matière qui n'est pas évidente à travailler, évidemment. Si vous avez le pistolet, c'est bien plus facile. Mais je vais vous montrer la manière dure, entre guillemets, qui va permettre de faire de la réparation n'importe où vous êtes en vacances. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais au bout d'un moment, il y a un petit halo bleu. Donc en fait, c'est allumé et ça va commencer à couler. Donc on va faire couler tout doucement notre matière dans la matière. Donc vous devez voir la flamme là, je pense, et le but c'est vraiment de remplir tout le trou qu'on a fait. N'hésitez pas à déborder un peu, pas trop non plus, parce qu'il faudra quand même enlever toute cette matière supplémentaire. Voilà, elle coule, c'est dégueulasse. Faites attention de ne pas vous brûler, parce que c'est vraiment, ça peut faire vraiment très mal. Voilà, je remplis tout mon trou. Éventuellement, je vais faire une pause. Donc voilà, j'éteins dans le sucre, je prends ma plaque métallique et j'appuie bien fort partout pour bien incruster à l'intérieur. Voilà, n'essayez pas de pas se brûler, donc normalement ne mettez pas trop les doigts dessus. Voilà, c'était pas une demi-balafre que je lui ai faite, malheureusement. Je suis tombé sur une pierre que je n'avais absolument pas vue. Mais c'est net, c'est allé pratiquement jusqu'à la carte, mais ça ne l'a absolument pas touché, puisqu'on va dire que le gros problème, c'est si on pète la carte, parce que là, après, il faut faire une vraie réparation. Et là, je n'ai pas d'astuce, il faut aller en magasin ou avoir des doigts de fée pour la réparation, ce qui n'est pas forcément évident, surtout si on veut que ça tienne. Mais souvent, une board dont la carte est cassée, elle est un petit peu foutue. Voilà, donc on peut voir que je lui ai fait une bonne balafre. Je l'ai bien réparé. Et ouais, on voit que là, j'ai plutôt en mode
dispositif, donc va falloir enlever maintenant toute cette matière en trop que j'ai mis. Donc pareil, c'est toujours cette règle là, hop, et normalement, si je me suis bien débrouillé, je me suis pas mal débrouillé, on dirait, hop, voilà, on va laisser dessus que la matière qui avait besoin de boucher le trou, enlevant toute matière superflue assez facilement. Voilà. Voilà, il y en a qui aiment bien le faire au putter, moi j'aime bien le faire avec ça, mais c'est à peu près pareil. Vous frottez jusqu'à ce que il n'y ait plus de matière qui dépasse, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, il vaut mieux avoir un trou qu'un aileron sous sa board. Et voilà, je lui ai fait une réparation assez nette, assez facilement. Bon, le trou était assez net aussi, hein. Si il est tout défoncé, c'est plein de petits trous parce que vous avez arraché plusieurs fois, coupez bien au cutter pour faire une trace bien nette. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner le mieux. Vous voyez ici, voilà, elle était vraiment découpée nette, mais des fois, vous savez, ça fait des petites alvéoles. Donc vraiment coupez au cutter, enlevez toute la matière, faites-vous hein, une place bien jolie pour travailler. Et puis après, vous remplissez. Et voilà. Et bien sûr, après ça, je vous conseille de nettoyer bien la planche, de la waxer de nouveau, comme on a vu dans le précédent tuto. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau tuto snowboard de Tonton Frankie.